Salut tout le monde, chose promise, chose due, une vidéo sur Sonic Frontier. Alors, je vais la faire de manière posée, on va éviter aussi que ce soit trop long. J'avais un premier rush d'attendre il y a quelques mois où j'étais assez virulent hein, parce que je le défendais quand même assez ardemment, mais avec du recul, comme ça, je pense que je vais pouvoir en parler de manière beaucoup mieux, beaucoup plus posée, beaucoup plus sympa pour vos oreilles aussi. Alors, tout ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre un tableau que je m'étais fait avec les bons côtés, les mauvais côtés. Et comme ça, à chaque fois, je vais pouvoir rentrer un petit peu dans les détails pour vous expliquer un petit peu ce que j'ai ressenti au niveau du jeu. A savoir avant tout que je fais cette vidéo autant pour les gens qui y auraient joué, que pour les gens qui seraient intéressés, mais aussi pour les gens qui se disent « Mais non, mais Sonic, c'est pas mon truc » ou alors « Non, je l'achèterai pas ». Donc je fais ça aussi pour vous. A savoir qu'à la toute fin, j'ai pas testé, on va faire ça en direct hein, pendant la vidéo. Je vais vous montrer une séquence de jeu, la séquence de jeu qui moi m'a mis par terre en fait. Mon cousin peut en attester parce qu'il était avec moi en vocal. Et donc on va le commenter. Donc si vraiment vous projetez de faire le jeu, ne regardez pas cette fin de séquence à la fin. De toute façon je vous le dirai quand ça va commencer, vous n'en faites pas. Mais je tenais quand même à cœur de vous montrer quand même une partie de gameplay avec les sons, la musique, les visuels, parce que là vous avez uniquement le visuel, pour que vous vous rendiez compte un petit peu de comment c'est. Mais si ça vous dérange pas de vous faire spoiler, restez jusqu'au bout. Donc, au niveau du bon et du moins bon, je vais toujours commencer par les bons, puis je vais mettre un petit bémol à chaque fois. Je crois même que... Ouais, c'est ça. Donc, au niveau du bon... Au niveau de l'histoire, déjà, moi je me suis dit, l'histoire revient aux origines, les références tout au long du jeu. Alors, oui, en fait, déjà, je crois que c'est le point, en fait, par lequel je me dois de commencer, l'histoire. Dans les Sonic, depuis presque toujours, en fait, ils utilisent des pouvoirs, des Chaos Emerald, et on ne sait pas trop d'où ça vient. Il y a Knuckles qui garde la Master Emerald, mais à part ça, on n'en sait pas bien plus, quoi. Les premiers jeux sur Mega Drive ne pouvaient pas trop développer l'histoire, parce qu'à l'époque, c'était un peu compliqué de faire des cinématiques, de faire des dialogues et tout ça, mais ça restait autour un peu de ça, et puis on le découvrait. Puis après, dans les différents jeux, on ne s'est jamais vraiment attardé sur ça, et justement, la licence Sonic a été critiquée par le fait qu'elle s'éparpillait un peu de partout. Là, dans Sonic Frontier, qui pour moi pourrait s'appeler Sonic Origins, mais Sonic Origins est déjà pris par un autre jeu qui était sorti l'année dernière, mais vraiment c'est ça, Sonic Frontier pour moi revient aux origines. Et en fait il va t'expliquer d'où vient ce pouvoir-là, tout en restant un petit peu énigmatique sur, on ne te donne pas toutes les réponses, mais surtout aussi sur quel était le... La tribu, enfin, je sais pas comment on appelle ça, mais les gens qui utilisaient ça avant et peut-être même qui l'ont créé. Et donc, tu as des petits flashbacks comme ça dans le passé et tu as des fois même des belles refs avec les premiers jeux. Donc, c'est là où tu fais waouh. Et puis, même avec j'en avais fait une vidéo, le prologue de Knuckles, où tu le vois qui va dans Sky Sanctuary. Avec les chaos et tout ça, et puis tu vois que tout a l'air d'être lié, ça c'est vraiment génial. Si vous connaissez pas l'histoire de Sonic, vous serez pas forcément perdu. Je veux dire, il y a des rêves que vous n'aurez pas, mais justement, le jeu est là pour redémarrer. Vous serez pas perdu si vous avez pas fait les autres jeux, vous voyez, parce que justement, je pense que c'est un bon jeu pour commencer Sonic, pour recommencer Sonic, parce que justement là, j'ai cette impression qu'il prend un nouveau départ, mais complet, tout en gardant ce qu'il y avait d'essentiel dans le passé. Et ça c'est vraiment apprécié. Donc, ouais, il revient aux origines, et ça, c'est vraiment cool. Et on apprend des trucs qu'on n'avait jamais parlé avant, quoi. Petit bémol. Voilà, sur ça, à chaque fois, il y a du bon, moins bon. Je vais osciller comme ça. Pour moi, la fin du jeu... Je vais essayer de pas trop spoiler non plus, je vais essayer de rester énigmatique, mais la fin pour moi, la toute fin, le boss final pour moi n'est pas du Sonic. Voilà, j'ai été, peut-être c'est ma plus grosse déception. Voilà. C'est, pour moi le jeu il aurait pu être mais
perfect, perfect. La toute fin, et je me suis rendu compte après que j'étais pas le seul à penser ça, mais la toute fin du jeu, pour moi, c'est pas du Sonic parce que, ah, je vous le dis quand même, en gros, c'est une phase de jeu que tu as dans d'autres types de jeux. Vous voyez, c'est comme si tu avais du Tekken, qui est un jeu de combat, et puis la toute fin, ben, c'est un jeu de course, quoi, à la Gran Turismo. Voilà, comme ça, je vous spoil pas, mais ça vous dit un petit peu ce que ça peut être. Et pour moi, cette fin, elle est pas assez épique, parce que justement, ben, je m'attendais à un truc un peu plus Sonic et un peu plus ce qu'on a eu tout au long du jeu. Parce que les boss de ce jeu, je vais certainement y revenir, mais alors c'est incroyable. Et là, comme je me le dis dans mon tableau, ça a été trop timide et qu'on nous a préparé à mieux pendant tout le long du jeu. Voilà pour le côté un peu histoire et jeu global, notamment à la fin. Par rapport au monde ouvert, alors monde ouvert ou semi-ouvert ou zone ouverte, comme on dirait, comment ça marche? En fait, c'est pas un monde ouvert complet où tu vas avoir aucun temps de chargement du début à la fin, parce que en fait, c'est des mini-mondes ouverts. En fait, tu as 4 ou 5 îles et sur ces îles-là, c'est un monde ouvert à lui-même. Et en gros, tu as 3-4 petits mondes ouverts. Ça, c'est efficace. C'est vraiment très bien. Je pense que c'est ce qu'il fallait faire. Un gros monde ouvert, tout seul comme ça, on aurait pu varier les environnements, mais je trouve que là, au moins, ils se débarrassent un peu des liaisons qu'ils auraient pu faire entre les environnements. Donc, ils se débarrassent de beaucoup de poids qu'aurait pu faire le jeu, de choses à charger. Et là, bah, ils ont trouvé une technique qui était plutôt ingénieuse. Donc, tout ça, c'est équilibré. La DA est très belle. Le level design, tout ça, quand tu parcours en fait les différents environnements, alors certains environnements qui sont un peu plus chiants que d'autres pour parcourir, mais c'est voulu. La plupart sont bons, je crois qu'il n'y en a qu'un seul, c'est dans le désert où tu dois parfois un peu plus grimper, où tu dois te demander comment tu montes en haut ou faire des trucs comme ça, mais de manière générale, c'est vraiment très bien calibré. En plus, ben, moi ça me rappelle ben, les anciens jeux où, eh ben, en fait, le jeu ne fait pas comme les jeux d'aujourd'hui, comme les mondes ouverts d'aujourd'hui, à te laisser. On te met une cinématique au début, puis on te laisse, allez, vas-y, puis on se redit bonjour à la fin, quoi. Et t'auras pas de cinématique, t'auras pas trop d'avancement d'histoire. Là, non. En fait, c'est ponctué constamment de petites histoires, de cinématiques. T'en apprends beaucoup plus grâce aux personnages que tu rencontres dans les îles. En fait, tu comprends ce qui s'est passé. Et ça, c'est vraiment, vraiment très, très bien. Les graphismes, qu'on soit clair, ne sont pas exceptionnels, d'accord ? C'est pas un truc où tu vas dire ok, c'est du parfait, on t'a fait un monde ouvert ou une zone ouverte en mode parfait, mais je trouve que pour le fait que bah, ce soit du Sonic, que ça aille vite, c'est l'un des seuls mondes ouverts où tu vas aussi vite. Donc oui, il y a du popping, oui, il y a des choses des fois qui sont peut-être des textures qui sont un peu moins belles et tout ça. Mais quand tu vas vite et quand tu t'éclates, en fait, tout simplement avec le level design, bah, t'as pas le temps de voir tout ça. Et en fait, tout ça est, encore une fois, je vais le dire souvent, je pense, mais est bien équilibré. Ma petite déception, ça va être qu'il n'y a pas eu de cinématique en CGI. Je suis un fan de ça, je veux dire. Je pense que quand je vous parle très souvent de la cinématique d'intro de Sonic Unleashed, bah, c'est du CGI. Et moi, je m'attendais au moins à ça au début, ou à la fin, justement pour que ce soit épique. Et quand j'ai pas eu ça, bah ouais, j'étais un petit peu déçu. C'est pas ça qui va faire que je déteste le jeu, non. Je vous parle honnêtement des choses qui m'ont un peu déçu. Je vais pas le cacher, je suis là pour ça, pour vous dire bah, ce qui m'a frappé, ce que j'ai kiffé et moins. Le gameplay, comme j'en parlais, il est agréable. Parce que quand tu parcours justement ces différentes îles, ces différentes plaines, c'est ponctué de je sais pas comment on peut appeler ça, de rails en fait, et puis de bumpers et tout ça qui rappelle bah, évidemment les Sonic. C'est sûr que là, si tu as joué aux anciens Sonic, bah, ça va te faire vibrer la petite fibre nostalgique au fond de toi, parce que tu entends les bruits, parce que tu revis en fait, mais d'une très bonne manière, parce que justement c'est placé de manière ingénieuse pour que tu t'éclates et pour que ce soit ultra fluide en fait. T'as une bonne sensation quand,
quand tu rides ou quand tu cours en fait dans les plaines. Petit peut-être bémol là-dessus, dans les niveaux de manière générale, parce que tu as les mondes ouverts, mais tu as aussi des sections de niveaux. Ça c'est très cool. Comme ça, ils ont mis au moins les niveaux en fait comme on connaît dans les Sonic, plus des mondes ouverts. Donc en fait, encore, ils ont tout mélangé. Alors, le fait qu'ils aient tout mélangé, ça fait que du coup, ils sont spécialisés dans rien. Ils auraient pu. Mais là, par exemple, dans les niveaux, on manque d'impression de vitesse. Là où, je fais souvent le parallèle avec Sonic Unleashed, tu le ressens plus. Mais Sonic Unleashed, c'est uniquement des niveaux. T'as des mini-mondes ouverts parce que t'as des villages et tout ça, mais t'as pas une grosse zone comme dans Sonic Frontier. Donc, voilà, en fait, j'ai l'impression que de manière générale, Sonic Frontier, il a touché un peu à tout. Donc, il s'est spécialisé dans rien. Mais c'est voulu pour que le directeur du jeu se dise « Ok, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui a moins fonctionné ?» Et ils sont très à l'écoute de ce que les fans en ont pensé. Les fans ont fait beaucoup de feedback et eux, ils ont beaucoup pris leur feedback. Et ils se sont dit « Ok, qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé ?» Et ils disent « Ok, donc ça c'est bien, ça on enlève, ça on va ajuster. » Et ça, c'est vraiment cool. Le level design des niveaux, donc, pas du monde ouvert, mais des niveaux, rappelle les niveaux d'anciens jeux. Alors, ça a pu faire un peu polémique, t'as des gens qui ont dit « Ouais, c'est repompé, donc il n'y a pas d'imagination. » Ou alors, il y a comme moi, où je me suis... je savais pas, en fait. Je pense que si tu le sais, c'est ça qui casse un peu la magie, mais quand tu le découvres dans le jeu, que tu dis « Ah tiens, ça me rappelle des anciens niveaux d'anciens jeux de Sonic », bah là c'est ça, encore une fois, ça fait vibrer la fibre nostalgique, quoi. Mais en général, en tout cas, les niveaux sont fun et bien pensés. Mais il y a uniquement 4 environnements, donc Green Hill, Chemical Plant, un truc à la Speed Hideaway et Sky Sanctuary, je crois. Voilà. Et de manière générale, ouais, ils sont trop courts, ils manquent de challenge. Mais voilà, encore une fois, c'est ça, c'est parce qu'ils sont spécialisés dans rien, ils ont mis un peu de tout. Mais voilà, les niveaux sont là et heureusement qu'ils sont là. Le bestiaire qui est très diversifié, très ingénieux, parce que même des mini-boss, des fois, enfin... rien que des mobs, ça devient des mini-boss en fait. T'as l'impression que t'as une musique qui s'enclenche, t'as des petites cinématiques, t'as... le mob, c'est pas juste tu le frappes. T'en as qui sont comme ça, mais t'en as, c'est des sortes de mini-boss comme ça que tu rencontres sur la map. Et tu dois, par exemple, là j'en ai un en tête, il fait apparaître des rails autour de lui, tu dois choper des espèces de petites machins pour désactiver son bouclier, puis après tu peux aller l'attaquer. T'en as un, il t'envoie dans les airs, tu descends comme ça en chute libre. C'est juste des mobs, en fait, qui sont sur la map. Donc, c'est comme des mini-boss. Donc, c'est vraiment fou. Et puis, je ne parle pas des titans qui sont complètement incroyables. Les boss de fin de zone sont incroyables. Justement, la séquence que je vais vous montrer à la fin de vidéo, c'est justement le deuxième titan. Et c'est celui qui m'a fait complètement péter un câble dans le bon sens du terme. Parce que entre la musique, les visuels et tout, j'en pouvais plus, là j'étais en transe, quoi. Vraiment, c'était incroyable. Et tu te dis qu'en fait, bah, ça, c'est même pas des boss de fin, en fait, ça pourrait être un boss de fin de jeu. Et c'est pour ça que quand la séquence que je vais vous montrer, quand tu l'as à peu près au tiers du jeu, et qu'à la toute fin, t'as même pas l'équivalent de ça, c'est là où c'est un peu plus frustrant. Peut-être ce qui va être chiant dans la zone ouverte, c'est que les ennemis vont t'aggro. En fait, tu vas rentrer dans leur cercle et puis ils vont dire « Ah bah, fight moi quoi !» Donc le focus va être mis sur les ennemis. Donc des moments, tu peux pas t'échapper de certains, ça c'est encore pire. Donc ça, c'est peut-être un peu chiant, mais comme je dis, à chaque fois, je mets des petits bémols. Mais par rapport parfois entre le bon et le moins bon, bah, c'est juste pour chipoter parfois. Les musiques sont osées et elles sont adaptées. Quand je dis osées, c'est parce qu'ils ont osé déjà mettre alors un truc peut-être un peu plus classique, mais aussi carrément du hard metal, quoi. Et ils ont réussi à tout mélanger en fonction des situations, en fonction de ce que tu fais. Et ce qui fait que le jeu a un rythme qui est jamais pareil. Et tu t'ennuies pas. Et ça, c'est vraiment ouf. Et un des éléments, alors que la musique, souvent, j'y fais pas trop attention, que ce soit dans les films ou jeux vidéo, peut-être un peu plus jeux vidéo. Dans les Sonic, en général, j'y fais beaucoup plus attention. Il y a des bandes-sons qui sont incroyables. Et bien là, ils viennent rajouter un truc de fou. Vous allez entendre après, en fin de vidéo, la musique de la séquence que je vais vous montrer. Au début, ça commence vraiment en hard rock. Et après,
t'as une section de la musique vers la fin qui est plus chantée, et c'est épique en fait. Tout le monde n'est pas sensible à ça, mais bon, quand tu fais le gameplay en plus et tout, c'est incroyable. Donc c'est ça, c'est pour ça que peut-être en petit bémol, si t'es pas fan de dubstep ou de hard rock, c'est un peu compliqué. Moi, je suis pas fan des deux, hein. Vraiment, moi j'arrive pas vraiment à écouter ces genres de musique, la dubstep encore moins, mais à petite dose comme ça, en fonction des niveaux et du gameplay, bah ça passe bien. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je pense que j'ai plutôt fait le tour. Il y a le pouvoir, les pouvoirs que tu as pour augmenter tes compétences. Là encore une fois, tu as une petite dimension RPG, mais qu'ils n'ont pas trop poussé. On peut indiquer un level up un peu inégal, des compétences acquises trop vite et d'autres qui sont trop longues à monter. Voilà. De manière générale, comme je disais, le jeu est équilibré et tu t'ennuies jamais et tu fais jamais vraiment toujours la même chose parce que, en fait, quand tu découvres la map, soit tu vas parler à des PNJ, soit tu vas faire des énigmes, soit tu vas faire des mini-jeux, soit tu vas avoir des mini-jeux même avec des refs et tout. Et ça, c'est vraiment cool. Mais je me dis qu'ils auraient même dû aller plus loin, ils auraient dû faire des énigmes vraiment folles. Mais encore une fois, bah, ils ont fait des petites choses, ils n'ont jamais été dans le fond du truc pour chacune des choses, chaque ingrédient qu'ils ont mis dans le jeu. Voilà, je pense qu'on va passer à la séquence. On va passer à la séquence maintenant. Donc, je vais faire ça, je vais faire ceci, et voilà. Normalement, voilà, il y a un peu de son. Donc, ça dure environ 8 minutes. Et je vais vous commenter un petit peu bah, ce qu'on voit. Donc là, en fait, c'est le deuxième titan, donc Wyvern, il me semble. On va voir son nom, je crois. Et voilà, c'est ça. Et donc, en fait, ce boss, c'est le seul qui se bat dans les airs. Et c'est ça qui rend le fight complètement épique, vous allez voir. Moi, je vais redécouvrir ça avec vous. Hein. Là, on est un peu... À la fin, là, on va profiter. Voilà, donc, regarde, la nuit. Alors, ok, vous voyez, c'est pas magnifique. T'as des petits poppings de... Bon, déjà, là, t'as les ombres qui popent un peu et tout ça. Mais regardez l'ambiance, en fait. Regardez avec la petite oasis, enfin, la petite eau au milieu du sable. La lune qui... Regardez dans le fond, dans l'eau, tu vois la lune comme ça qui se reflète dans l'eau. Là, donc, tout ce que vous voyez, c'est tout ce que je vous parlais avec les petits sons. Aussi qu'on entend la musique, écoutez la musique qui accompagne en fait le mouvement de Sonic, et encore là c'est une petite musique symphonique, mais vous allez voir après ça va être beaucoup plus hard que ça. Donc là le but c'était d'atteindre Wyvern, donc là je crois que normalement il va monter sur le boss. Le boss se fait en plusieurs phases, de manière générale les boss se font en plusieurs phases. Voilà, t'as des petites cinématiques comme ça qui accompagnent, ce qui est vraiment très cool. Ça ajoute quelque chose. Je vous laisse profiter un peu. Allez, ça c'est quand même magnifique. C'est un bal. Ah, c'est de l'art. Hein. Moi, vraiment, je trouve ça. Après, c'est pas du CGI, ça aurait été encore plus beau, mais. Mais entre la musique et puis le boss, c'est vraiment, vraiment beau. Donc là, en fait, ouais, il va se balader sur un espèce de... Un peu à la Dragon Ball Z, quand t'as Goku qui court sur le dragon. Bah là, c'est un peu ça, quoi. Et donc, tu dois l'atteindre. Je sais pas s'il lui reste pas une émeraude. Parce que, bien sûr, le but, là, c'est d'atteindre l'émeraude. Parce que je crois qu'il a une émeraude sur la tête. Et comme ça, Sonic aura réuni les 7 émeraudes, parce que juste avant de battre ce boss, justement, tu fais tout ce qu'il y a à faire sur l'île que tu vois en dessous, parce que l'île que vous voyez en dessous, c'est toute l'île qu'on a parcourue juste avant, en fait. Et une fois que tu l'as fini, bah voilà, tu fais le boss comme ça dans les airs, et tu as récupéré 6 émeraudes, il en faut 7 pour se transformer en Super Sonic. Encore une fois, je faisais référence à Dragon Ball Z, mais Super Sonic, oui, il y en a beaucoup qui vont dire, bah oui, mais c'est du Super Saiyan, bah oui, mais... Moi, je pense qu'ils s'en sont inspirés, évidemment, c'est obligé. À l'époque, surtout, années 90, Sonic, forcément, tout le monde s'inspirait dans Dragon Ball Z. C'était la folie dans les années 90. Mais bon, donc on va voir quand il l'aura atteint. Donc là, voilà, c'est vraiment... Pour le moment, le boss, là, ne m'avait rien fait de spécial, mais c'est monté crescendo. Vous voyez, déjà, là, c'est quand même cool. Voilà, donc là, il chope la dernière émeraude.
C'est quand même cool déjà, mais vous allez voir, ça va monter en fait en puissance. Alors vous allez pas le ressentir autant que moi. Ah, supersonique. Et là, la musique, ça y est. Là, elle change déjà. Et attends. Et là, ça y est, ça crie, c'est du hard. Là, c'est hard. Et là, tu vois, je suis pas dans les airs comme ça, c'est incroyable. C'est quand même... c'est un truc de fou. Là, c'est hard, mais ça accompagne tellement bien. Regardez que ça, tu passes en, entre les éléments du décor et tout. Ah, cette phase-là, déjà, elle me mettait bien. Et vous allez voir, après, elle, il va prendre une autre forme et la musique va un peu changer. Elle va devenir un peu plus musicale et chantée. Et vous allez... enfin, moi, ça m'a... c'était, quand tu joues à ça et quand tu t'y attends pas, c'est un truc de fou. Là, j'étais déjà bien. Regardez, là, t'as les missiles qui arrivent. Tu essaies de leur passer à côté ou alors de les missiles, qu'est-ce qu'il n'est pas. Regardez ça. T'as la caméra qui suit Sonic et tout. Enfin, t'es en plein cœur de l'action. C'est pas une caméra qui serait derrière ou qui... c'est complètement ouf. Donc là, il utilise différents pouvoirs aussi que tu acquiers durant ton aventure. T'as des petites cinématiques, voilà, durant le boss, qui est très très cool. Et je crois qu'au bout d'un moment, voilà, il me semble que c'est là. D'ailleurs, je pense que je vais vous, voilà, je vais vous faire profiter, je vais augmenter un peu le son et puis profiter tout simplement. Là, la musique va changer et là j'étais en transe. Et voilà, séquence de fou, séquence incroyable. Bon, c'est sûr que quand tu le vis pas, c'est pas pareil. Moi là, j'avais vécu, je crois, l'un de mes meilleurs moments de jeux vidéo. Voilà, écoutez, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce jeu. Je vais enlever le son complètement. Voilà. Et écoutez, j'espère que... avec tout ça, vous aurez envie de vous y mettre. Le jeu vaut vraiment le coup. C'est une petite perle à part. Voilà, comme ça, que tu aimes, que tu connaisses ou pas Sonic. Voilà, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de bien retourner vos occupations. Et ciao à tous.